Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous présente la PT16 de chez Mech Army. On va faire le tour ensemble. 3 LED, c'est vraiment du costaud, je viens de l'utiliser. Donc vous avez eu les photos normalement avant ou après la vidéo, je ne sais plus. En tout cas voilà, on fait rapidement le tour de la lampe pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous la compare avec la Light, la S10, qui est un tout petit peu plus grande puisque la S10 fait 7 cm. Là on est sur 67 mm, donc 3 mm de moins. C'est forcément un peu plus gros, un peu plus volumineux. Voilà, je vous la mets de côté celle-ci. Ici, une petite bague, un peu type bague de combat. À l'arrière pareil. Un corps ici, donc la tête elle fait 28,8 mm, le corps 22,5 mm, 40 grammes. Je l'ai pesé avec la queue, on est sur 73 grammes. Je vous annonce tout de suite les autonomies. 1000 lumens, on est sur 35 minutes, forcément. 5 lumens, 20 heures. 100 lumens, 4 heures. 420 lumens, 1 heure. Stroboscope 1000 lumens qui est en double fréquence, vous allez voir. SOS également 1000 lumens. Tiens, j'ai pas trouvé le SOS d'ailleurs, faut que j'essaie de faire ça. 140 mètres de portée, elle y va mais doucement parce que c'est un éclairage qui est vraiment ultra diffus. Il n'y a pas de point chaud, c'est vraiment agréable. Maintenant ça tire plus sur le blanc que sur le noir. Concernant la lampe, elle est assez jolie. Moi je suis pas très fan du corps de la lampe. Bon après c'est un avis personnel. Quand on balance les 1000 watts, très honnêtement ça chauffe pas mal. On va d'ailleurs tester avec le thermomètre ce que ça donne là, parce que c'est comme toutes les lampes hein, mais quand plus c'est petit plus ça a tendance à beaucoup chauffer. Alors 1000 lumens on l'utilise vraiment très peu pour checker. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a un accès direct, c'est à dire que dès qu'on appuie, voilà, on a les 1000 lumens qui partent. Quand on laisse le doigt appuyer, vous voyez, plus d'une seconde, les 1000 lumens restent en place. Donc vous voyez ici, il n'y a pas du tout de point chaud. C'est vraiment concentré. On appuie simplement ensuite pour changer les différentes fonctions. 1, 2, 3, 4. Voilà, les 4 fonctions. Donc, voilà, c'est assez impressionnant. Double clic, même lampe éteinte, on passe sur le stroboscope. Donc comme je vous le disais, double fréquence. Idem si par exemple je suis sur le minimum, hop, je renvoie un double clic. Alors moi un petit défaut que je lui trouve, c'est effectivement que on est obligé de passer par le mode à fond pour l'allumer. Donc on ne peut pas rester en mode si je reste ici en mode faible et que je l'éteins. Alors je crois qu'il y a peut-être je sais pas si c'est sur celle-ci, il faut peut-être un certain temps. Mais attendez, je regarde juste la notice, excusez-moi. Alors memory fonction, d'accord, ok. Alors si on l'utilise effectivement 3 minutes comme ça et qu'on l'éteint, ensuite elle devrait repartir dans ce mode là. Mais là ouais, elle repart à fond les ballons, c'est ce qui a marqué. Hein. Tac. Exact. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors ça, parce que j'ai testé au luxmètre, c'est vrai, on est sur effectivement 1000 lumens ANSI. C'est ce que je vous parlais, c'est la fameuse norme. Le LED, on est sur un XPG2. 50 000 heures. Alors pour ceux qui me posent la question, on change pas les LED, ça ne se change pas hein. J'ai calculé, ça vous fait 17 ans si vous l'allumez toutes les nuits, ça vous tient 17 ans, donc on est tranquille. Au niveau de la batterie, 90 minutes pour recharger cette batterie qui fait 700 mAh qui est à l'intérieur. 90 minutes pour la recharger. Alors pour la recharger, hop là pardon, et bien très facile, on dévisse ici et là on se retrouve avec la prise micro USB. À noter que le câble n'est pas livré avec, il y a simplement une petite boîte. À l'intérieur on a des joints de rechange comme vous pouvez le voir ici. On a un petit cordon voilà qui peut se régler, Mech Army. Donc là ici le système micro USB qui se retrouve après le joint, donc ça c'est assez intéressant. Un filetage qui est très bien fait, ça je regarde aussi souvent la qualité du filetage, la qualité également de l'aluminium, en fait de l'épaisseur des parois. Vous verrez sur certaines lampes qui sont un peu moyenne gamme, l'alu fait pas tout à fait la même épaisseur partout. Là c'est pas le cas, c'est nickel. Vous allez voir l'intérieur aussi. Alors tiens, je vais utiliser celle-là pour vous l'éclairer. C'est un peu fort peut-être. On va voir peut-être un peu, voilà l'intérieur de la lampe, très bien fini également. Ça c'est tout aussi important, on voit tout de suite un petit peu la qualité des lampes par ce biais. La queue, forcément il est là derrière, je vais vous le sortir pour vous le montrer.
Voilà, ici, un accu qui est fourni avec, de la même marque. Voilà, rechargeable. Donc vous pouvez très bien le recharger sur, hop, sur une prise normale. Donc je regarde un petit peu l'intérieur en même temps. Donc il y a un petit ressort au bout, ça c'est bien aussi. Et là, la qualité, pareil, de l'aluminium, important aussi. Alors tiens, je vais aller chercher le thermomètre et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau, parce qu'on dit souvent, c'est vrai que oh, les petites comme ça chauffe. Effectivement, c'est pas fait pour, on va pas la tenir comme ça 30 minutes. C'est très costaud, les normes sont les mêmes, hein, chute, etc. Ça, je vous en parle plus, hein, vous le savez, c'est des normes militaires, pardon. Elle tient debout, ça c'est intéressant aussi. C'est vraiment un éclairage qui est ultra diffus. Vous avez pu le voir sur les photos. Il n'y a pas de point chaud, c'est un petit peu blanc. Moi, le petit point négatif sur ce type de lampe, c'est toujours le fait que voilà, on la prend dans sa poche, on met un petit peu de temps pour chercher, mais ici on a un côté plat, donc ça c'est assez intéressant parce que finalement, bah, quel que soit le côté, je vais pouvoir toucher le bouton et je vous dis, il a une petite texture et comment vous dire, en fait, une résistance qui est un petit peu particulière, c'est assez drôle. Donc on le trouve bah, bizarrement assez facilement, je trouve. Donc mine de rien, que ce soit ici ou là. Voilà, moi vous savez que je préfère les boutons à l'arrière, mais ça encore c'est un avis personnel. Le fait que effectivement, bah, le coût des 3 minutes, là, bon voilà. Après, généralement, moi toutes mes lampes, j'utilise franchement à fond, puisque je les utilise très peu de temps. Et ensuite, bah, si j'ai besoin de les utiliser plus longtemps, effectivement, je les règle sur le là où j'en ai besoin. Je vais te chercher le thermomètre. Alors pour la fonction SOS, c'est très simple. J'appuie deux fois, donc quand je suis dans le mode stroboscope, je laisse le doigt appuyé dessus et là voilà, je passe au mode SOS international. Voilà, c'est tout bête. Hop, je rappuie et je réteins la lampe. Alors voilà, le petit test du thermomètre, c'est vraiment juste pour m'amuser. Donc là voilà, 32 degrés. Voilà, donc effectivement, il fait un peu plus chaud qu'en métropole, forcément. Donc là, je l'ai déjà mis en contact, hein, c'est pour ça que là il doit faire 29, hein, c'est la nuit quand même, ça caille. Hein. Donc allez, je lui mets la tartine et on va voir un peu au bout de combien de temps ça chauffe. Je mets également le chrono en route, hop, pardon. Pour voir un petit peu à partir de quand ça devient désagréable. Je ferai peut-être un accéléré forcément, parce que c'est pas forcément intéressant de voir une température monter. Mais vous voyez que ça monte assez vite tout de même. Après, comme je vous le disais, c'est normal. Maintenant, j'aimerais savoir à quel point elle devient, on va dire, intenable au niveau de la main. 5 minutes, donc je l'ai. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai en main. Alors effectivement, 39 degrés, ouais, on sent que c'est chaud. Hein, mais voilà, ça ne monte pas plus haut. Je pensais que ça monterait honnêtement beaucoup plus. Voilà, on peut la tenir en main. Hein. Voilà, on sent que c'est chaud forcément. Alors c'est sûr que s'il fait moins 10 chez vous, il y aura peut-être une différence, quoi. Mais comme on a pu voir, c'est monté d'une dizaine de degrés, d'une quinzaine de degrés, allez, à tout casser. Donc voilà, moi je trouve ça enfin, acceptable. En tout cas, il y a des lampes qui chauffent beaucoup plus. J'avais des lampes que je pouvais plus prendre en main. Donc là, quand même, je pense que c'était un test à faire, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. Alors ouais, ça chauffe, mais bon, 40 degrés, on se brûle pas les mains. Voilà, je peux la tenir, voilà, ça va quoi. On va même dire que ça réchauffe. Je vais regarder vraiment de ce côté-là. Vous voyez, 38, je suis pas beaucoup plus haut. Voilà, bon, bah, c'était un petit test à la con que j'avais envie de faire pour vous montrer ça. En tout cas, je suis content de vous l'avoir présenté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, parce que j'aime bien les likes, c'est sympa. Si vous n'aimez pas, dislikez, mais à la limite, dites-le. Ou dites-moi pourquoi, si vous n'aimez pas la lampe, etc. Enfin, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des avis constructifs et pas juste des pouces vers le bas. Voilà, je vous dis à très très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.